Vous ne pouvez pas méditer sur Dieu les veilles de la nuit et ensuite être poursuivi dans les cauchemars les veilles de la nuit. Les deux sont incompatibles. Si Dieu habite vos pensées, Satan ne peut pas habiter vos pensées. Seigneur nous a interpellé sur la nécessité de le connaître comme notre Père. Et au fur et à mesure que nous parcourons le Nouveau Testament, nous voyons que la grande révélation de Dieu que Jésus est venu donner, c'est que Dieu est notre Père. Nous avons vu les caractéristiques de Dieu en tant que Père et pourquoi c'est tellement important pour nous de saisir cette dimension-là de la nature de Dieu. C'est merveilleux de savoir qu'il est omnipotent, c'est merveilleux de savoir qu'il est miséricordieux, c'est merveilleux de savoir qu'il est juste et tout ce que nous avons vu, mais c'est infiniment extraordinaire, encore plus de savoir qu'il est notre Père. Que nous ne sommes plus, comme nous dit la parole de Dieu, des gens du de dehors, mais que nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Toutes ces choses ont un sens. La réalité de ce que Jésus est venu faire pour non seulement nous donner le pardon des péchés, nous réconcilier avec Dieu, mais pas comme des esclaves éloignés qui doivent constamment chercher à le connaître, chercher à dire est-ce que Dieu me connaît, est-ce que Dieu m'accepte Mais comme des enfants, des gens de la maison de Dieu. Et quand Jésus nous apprend à prier, cette prière qui a traversé les siècles, dans Matthieu chapitre 6, il dit ceci au verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à qu force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà donc comment vous devez prier. Notre. Père. notre père céleste que la je lis la version second vingt et un notre père céleste que la sainteté de ton nom soit respectée que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous, nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Donc Jésus nous apprend que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons l'appeler notre Père. Non seulement le titre de notre Père, mais la conscience du fait que cet être suprême auquel nous nous adressons, nous considère comme des enfants et ces enfants et quand vous savez que quelqu'un vous considère comme son enfant vous savez tout de suite que ça vous positionne dans un lieu de faveur Amen. de faveur Amen. dans un lieu de faveur que il y a déjà il y a une communauté qui s'est créée entre vous et lui et c'est une communauté d'amour Beaucoup de gens prient avec cette répidation, je ne sais pas si Dieu va m'écouter, si Dieu va m'entendre. Je suis toujours étonné quand j'entends des chrétiens nés de nouveau prier comme si Dieu était cet être distant, éloigné, insondable, Et on ne sait rien de lui, c'est un étranger qui est venu nous sauver, mais on ne sait strictement rien de lui. Jésus est venu pour révéler le Père. Et nous avons vu que dans sa génération, ils étaient constamment contre lui parce qu'il appelait Dieu son Père. C'était quelque chose qui détonnait, qui surprenait, qui étonnait, qui énervait. Mais il ne s'est pas contenté d'appeler Dieu son Père, il nous a appris, nous aussi, à le considérer comme, comme Père comme notre Père. Et quand nous regardons cette, ce qu'il leur a dit sur la manière de prier, nous voyons que la première chose lorsque nous prions, c'est d'abord que nous considérions, que nous comprenions que Dieu est notre Père et qu'il nous voit comme ses enfants. Nous nous approchons de lui, pas comme des êtres qui sont des étrangers, mais comme des gens de sa famille. Tous ceux qui sont parents ici, vous savez comment vos enfants s'approchent de vous. Si vos enfants devaient s'approcher de vous avec trépidation, vous allez vous demander quel crime il a commis. Est-ce qu'il a volé les jouets de sa petite sœur? C'est pour ça qu'il a cette attitude. Vous n'allez jamais imaginer qu'il a cette attitude juste parce qu'il ne sait pas comment, si vous allez vraiment l'aimer, si, pour manger ce soir, il doit romper par terre. Ou pas. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu vois? Quel est ton problème? Mais je veux manger. Mais il faut le dire, c'est tout. Est-ce qu'il y a des parents ici qui peuvent l'affirmer? Mmh. Notre mentalité doit changer. Notre perspective de Dieu doit changer. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans cette révélation de Dieu comme Père, nous avons vu ces, tous ces différents versets où nous voyons affirmer encore et encore et encore le cœur de Père que Dieu a vis-à-vis -vis de nous. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans cette compréhension, cette révélation, parce que la révélation ne tombe pas sur nous, elle vient parce que nous cherchons à la voir, parce que nous méditons sur sa parole au point où elle entre à l'intérieur de nous, elle change profondément notre vision des choses, notre manière de penser. Et, et, et au bout d'un moment, il y a un certain nombre de choses qui se produisent en vous. Nous avons vu que notre identité change, notre conscience de notre identité change, ce que qui nous sommes, la vision que vous avez de vous-même va être transformée par la révélation que Dieu est notre Père. Le sens de sécurité totale que Dieu donne va s'installer dans la vie de quelqu'un qui comprend que Dieu est son Père. Nous avons vu les différentes ramifications de cette conscience, de cette sécurité dans laquelle nous vivons. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter des chants comme Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Et pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Et non seulement je sais qu'il vit, je sais qu'il est mon Père. Et <laughs> je, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. C'est ce que Dieu dit. Et nous avons vu qu'il a dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Pourquoi donc tellement de chrétiens sont en train de dire mais, mais où est Dieu dans cette situation Peut-être parce que nous sommes faits une fausse image de ce que c'est que d'être chrétien. C'est une vie exemple de difficultés. C'est faux. Jésus a dit dans ce monde vous aurez des tribulations. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin qui n'est pas, qui ne croit pas dans ce monde tu auras des tribulations. Et, et, <laughs> Et, et tribulation veut dire défi, difficulté, attaque, tout ça. C'est parfaitement normal dans un monde déchu. C'est parfaitement normal. À, à, aux dernières nouvelles, Satan n'a pas pris sa retraite. Donc, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais Jésus a dit prenez courage. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Et s'il a vaincu, vous avez vaincu. <laughs> Parce que nous nous identifions à lui, n'est-ce pas et donc, nous avons compris que lorsque nous avons cette révélation de Dieu comme Père, il y a un changement d'identité. Il y a un changement d'identité. Il y a un changement de conscience de ce il y a une conscience de la sécurité totale et absolue, quelles que soient les circonstances. Le Saint-Esprit va toujours me donner la, la porte de sortie. Il va toujours me dire ce que je suis censé penser, ce que je suis censé faire. Le Saint-Esprit non plus n'a pas pris sa retraite. Alléluia. Et quand nous avons la révélation de Dieu comme Père, il y a trois passions extraordinaires qui naissent à l'intérieur de nous. Et la première de ces passions, c'est la passion pour sa présence. La passion pour sa présence parce que Dieu est objectivement attractive. Je me souviens quand j'ai commencé à, à réellement apprendre à prier, j'ai eu cette réflexion. Vous l'avez souvent entendu, mais la répétition est salutaire. C'est que j'ai dit, Père, Seigneur, si la, tu es tel que te décrit la Bible, tu dois être quelqu'un d'intéressant. Tu dois être quelqu'un avec qui on veut passer du temps. Alors, si je n'ai pas envie de prier, c'est que I have a problem. C'est que j'ai un problème. Donc, délivre-moi de ce problème. Et, et aide-moi parce que ce que tu es est bon. Et naturellement, je devrais vouloir être avec toi. Vous me suivez Ce qui nous empêche de grandir souvent, c'est le fait que nous pensons que le problème est ailleurs. Oui, c'est parce que la Bible est ennuyeuse, elle ne l'est pas. C'est parce que la prière est ennuyeuse, elle ne l'est pas. Alléluia. Et donc, je lui ai parlé et il a commencé à travailler. Alléluia. Si vous voulez me bénir, enfermez-moi dans une chambre seule avec Dieu. We're gonna have a blast. Amen. Parce qu'il est objectivement attractif. Amen. Et donc, quand vous commencez à le voir comme votre Père, cette révélation naît dans votre cœur. Il y a quelque chose qui naît aussi, c'est le désir d'intimité. La passion pour sa présence. Il n'y a aucun être humain sur terre dont la présence est aussi agréable que la présence de Dieu. Il est dans une, il est dans une catégorie à part. Il n'a pas son égal. Il n'y a personne qui qui, qui, qui a les attributs qu'il a, la grâce qui est en lui, l'amour qui est en lui, la joie qu'il donne, la paix qu'il donne. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et si nous n'avons pas la passion pour sa présence, c'est tout simplement parce que nous ne le connaissons pas. Alléluia. Je suis en train de mettre quelqu'un au défi ce matin qui est chrétien depuis quand même un certain temps et qui n'a pas de passion pour la présence de Dieu. Vous allez décider que ce matin, quelque chose va changer. Il y a toujours un jour où ça change. Et autant dire, c'est aujourd'hui. Et à chaque fois, moi, dans ma vie chrétienne, une chose qui m'a aidé aussi, je vous donne des secrets, c'est qu'à chaque fois que je vois une possibilité qui est en fait offerte dans la parole de Dieu, je dis toujours, Père, je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Ce n'est pas oui, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être, mais vous comprenez, c'est pas évident. Mais quand même, on vit dans un monde tout est rapide, on sort tôt, on rentre tard. Ce n'est pas vraiment évident. Non, 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 non. Tout dépend de ce que l'on veut. Moi, je veux Dieu. Amen. Sa présence. Amen. Ça ne sert à rien de passer toute sa vie à dire, oh, Jésus est merveilleux, Jésus est grand. Aller au chiot tous les dimanches et ne pas connaître Dieu. Amen. What a waste. Et comme dit notre bien-aimé, quelle tristesse. Quelle tristesse! Alors que nous pouvons vivre une communion intense et profonde avec lui. Nous sommes sur terre, mais Jésus a dit Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a une substance en nous qui est différente de la substance terrestre. La vie de Dieu est une réalité spirituelle. La communion de Dieu est une réalité spirituelle. La parole de Dieu nous dit que nous passons de la mort à la vie. Quand je suis venu à qui j'ai grandi dans l'église, mais je n'étais pas converti. Et quand je me suis converti, j'ai tout de suite vu la différence. J'avais l'impression que j'étais dans un endroit où il y avait... et que j'ai... on m'a transféré dans un autre endroit. La conscience est dans un monde différent. Physiquement dans ce monde. Et j'avais cette réflexion, mais c'est drôle parce que je suis toujours dans le même espace géographique. Mais je ne suis plus au même endroit. Il y avait une réalité dans cet espace géographique que je ne percevais pas. Et quand vous vous, vous entrez dans cette réalité de Dieu, je veux vous encourager à aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne vous contentez pas de fréquenter vaguement Dieu. Comme certains hommes fréquentent une fille par ici, une fille par là. Certains sont comme ça avec Dieu. On dit les tontes, ils le fréquentent, on dit les tontes, ils le côtoient avec parcimonie. Nous irons jusqu'au bout. Amen. Dans la révélation de Dieu, Amen. dans la connaissance de sa personne. Parce qu'ils seront accessibles et il est disponible. Amen. Amen! Cette révélation de Dieu fait, comme Père fait naître nous, comme j'ai dit, une passion pour sa présence. Souvent, lorsque nous faisons des réunions de réveil, les gens viennent, il y a une telle présence du Saint-Esprit, ils sont impactés. Ils sont wow, I feel the presence of God. Je sens la présence de Dieu. Et certains vont vivre dans cette bulle pendant un, trois jours, quatre jours, une semaine. Et après, ça se dissipe parce qu'il faut cultiver son propre jardin, n'est-ce pas? Mais nous avons la possibilité de vivre en continu la communion du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut ici Amen. ce matin? Et il y a même certains saints de l'Ancien Testament, même avant la venue de Jésus, qui connaissaient cette intimité du Père. On ne peut pas connaître, recevoir cette révélation de Dieu comme Père sans être galvanisé à l'intérieur pour dire, waouh, cet être si merveilleux, si extraordinaire qui m'a tant aimé, Et je, je dois le connaître plus. Que cette, que cette soif naisse en vous. Amen. Que ce désir naisse en vous ce matin. Amen. Que ce désir naisse en vous ce matin. Jésus nous fait comprendre donc que toute notre relation avec Dieu doit être basée sur la réalisation du fait qu'il est notre Père. Et notre interaction avec lui doit être une interaction d'enfant avec son Père. Amen. Et, et, et donc, cette interaction d'enfant avec son Père doit, comme je vous ai expliqué précédemment, je pense l'année dernière, au, 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 le jour de l'an, suivre le même schéma que Jésus. Quand vous regardez la vie de Jésus, nous sommes imitateurs de, de Dieu, n'est-ce pas Quand nous regardons la vie de Jésus, nous voyons sa communion avec le Père. On continue. Souvent, il nous a dit, il se levait très tôt le matin et il allait prier. Le petit matin, il allait prier. Ses disciples le cherchaient et il était en communion avec le Père. Tellement en communion avec le Père qu'il pouvait dire, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Je ne fais que ce que je vois faire son, mon Père. Tout était calqué sur le cœur du Père. Si Jésus avait besoin de calquer son existence sur le cœur du Père, combien même nous en avons besoin et donc c'est un exemple, est un exemple parfait qui nous fait comprendre comment le chrétien est censé vivre sur terre non pas simplement en affirmant des doctrines et nous devons connaître les doctrines mais ces doctrines doivent devenir notre réalité doivent devenir existentielles doivent devenir le contenu même de nos vies et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que les chrétiens sont des hypocrites parce que ce que nous vivons est aux antipodes de ce que nous disons croire mais ça va changer dans la vie de quelqu'un ce matin ce n'est peut-être pas vous, mais ça va changer dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Et nous avons vu que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Il y a beaucoup de gens qui ont encore une crainte vis-à-vis -vis de Dieu. Oui, mais je ne sais pas, je vais prier, mais je ne sais pas si Dieu. Non, non, non. lisez vous nous avons reçu l'esprit d'adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions? Amen. Par lequel nous crions? Quelqu'un vient nous comprendre pourquoi cette église s'appelle Abba House par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit de Dieu en nous nous amène dans ces dimensions où nous sommes en communion avec le Père. Nous avons la révélation qu'il est notre Père. Et dans ces lieux d'intimité et de communion, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous extasier de sa personne. Parce que c'est là où Dieu se révèle. Amen. Amen. God is a good God. Nous avons vu en Jean 3, hein, voyez de quel amour, de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Et c'est parce qu'il nous a aimés. Donc quand vous comprenez qu'il vous a tellement aimé quand vous n'étiez pas aimable et qu'il a fait de vous son enfant, il, il naît quelque chose en vous, ce désir de connaître ce Dieu si magnanime vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? il est revenu à son père parce qu'il était encore dans le besoin parce qu'il était dans le besoin il avait reçu son héritage il est parti, il a tout gaspillé et il a été réduit à rien il a été réduit à la déchéance la plus totale et un jour il a eu une réflexion il a dit même les serviteurs dans la maison de mon père ils ont de quoi manger, ils ont de quoi vivre. Je vais retourner vers mon père. Et donc, il a décidé d'aller de, devant son père et de lui dire qu'il n'était plus digne d'être appelé son enfant parce qu'il avait bafoué l'amour de son père et que maintenant, il voulait juste être comme, comme un serviteur, comme un esclave. Au moins qu'il puisse savoir en toi, qu'il puisse savoir de quoi manger parce qu'il s'est retrouvé à disputer la nourriture avec des animaux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cela avant de venir à Jésus. Mais ce qui est merveilleux dans cette situation, c'est que ce garçon a pu prendre la décision de retourner vers son Père. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son amour. Et donc, il savait que s'il retournait vers lui, il n'allait pas être rejeté, il n'allait pas être jeté, il n'allait pas être euh, maltraité, et que même les serviteurs étaient bien traités. Donc, il, il connaissait le cœur de Père, qu'avait son Père, et il a décidé de retourner. Je prie ce matin que la révélation du cœur de Père, qu'à Dieu pénètre vos cœurs. Amen. Et que l'on sèche d'être affamé alors qu'il a dressé devant nous, comme le dit le psaume 23, une table. Et ce garçon est retourné vers son père. Et la parole de Dieu nous dit que quand il était encore au loin, son père l'a aperçu. Vous savez, un père oriental, il n'est pas censé courir, il est censé rester là. Et que le garçon arrive dans sa déchéance. Ils se rendent par terre, ils disent tout son discours et le père finalement va appeler l'oncle et la tante et, et ils vont faire un conseil face à l'humiliation de ce petit qui avait méprisé son père. Mais ce père n'a pas fait ça. Il a couru pour rencontrer son fils. Il l'a pris dans ses bras. Quelqu'un... Va laisser Dieu courir pour le rencontrer. Amen. Il a pris dans ses bras. Pendant qu'il faisait son speech, je ne sais pas, non, 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 non. Il a demandé qu'il mette sur lui un beau vêtement qu'il tue le veau gras. Il a reçu comme une célébrité avec honneur parce que c'était son fils. Il a dit Mon fils était perdu et il est revenu. Amen. Il était mort et il est revenu à la vie. Jésus a raconté cette histoire pour que nous puissions comprendre encore plus à quel point Dieu nous aime. Et où que nous soyons passés, quel que soit ce que nous avons pu faire, ce qu'il nous demande de faire, c'est de revenir à lui. De venir à lui. Et il va nous accueillir les bras ouverts. Je veux que vous méditiez sur ces choses parce que cette conscience doit naître en nous sinon nous allons continuer à dire Dieu tu es grand, Dieu tu es merveilleux mais avoir des réticences vis-à-vis -vis de lui et nous priver de cette communion merveilleuse qui est qui est l'héritage de chaque enfant de Dieu. La même communion que Jésus avait avec le Père. Cette passion pour l'intimité est une des grandes conséquences de la connaissance de Dieu. Et, et, et cela nous fait entrer dans une vie de merveille une vie d'émerveillement parce que dieu est objectivement merveilleux et plus vous le côtoyez plus vous êtes émerveillé c'est une réalité nous sommes des êtres spirituels qui sont passés d'un monde spirituel des ténèbres à monde spirituel de lumière. Et c'est Dieu qui trône, qui règne et qui se révèle à tous ceux qui veulent le connaître. Donc, il y a des dimensions spirituelles. Il y a des... Euh, ce que AW Toza appelle... Euh, Spiritual senses, des sens spirituels que nous possédons. Nous avons des sens naturels pour manger, n'est-ce pas bien? Elle aime manger. Donc, l'odorat, mm, ça sent bon, mm, ça sent bon. Et, et le toucher, mm, et nous avons tous ces sens naturels. Nous avons aussi des sens spirituels par lesquels nous percevons la réalité spirituelle. Ce qui est merveilleux quand on est des de Dieu, c'est qu'on peut maintenant plus que jamais saisir la réalité de Dieu. La conscience de sa personne. Ce n'est pas réservé à quelques mystiques. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut. Ce n'est pas tout le monde qui cherche. Moi, je veux et je vais chercher. Alléluia. 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 Donc, il y a une notez ceci. Il y a une intensité de désir et une intensification du désir. Regardez avec moi dans le psaume 63. Le psaume 63, c'est un, un psaume, comme tous les psaumes, dans l'Ancien Testament. Donc, même pas encore dans la Nouvelle Alliance avec la grâce que Jésus nous a apportée. Mais il y a une. Il y a une saveur de, de connaissance de Dieu dans ce psaume qui est absolument merveilleux. Regardez avec moi le psaume 63. Le psaume 63, le psalmiste, et c'est David, le psalmiste, dit ceci. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je, je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Et il y a un mouvement du cœur vers le Père qui est le reflet du degré de révélation que vous avez de sa personne. Et, et David avait une dimension de révélation de Dieu qui était supérieure à beaucoup de sa génération. Il dit aussi, mon âme a soif de toi. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire mon âme a soif de toi? C'est okay, okay, on nous a dit que lorsqu'on prie, il faut être précis. Donc j'ai fait une liste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, et nous faisons notre liste, nous, nous terminons et je te dis merci Père et je te bénis. La louange pour nous, c'est juste un, un préalable avant de passer aux choses sérieuses. Parce qu'il ne faut pas être mal élevé, n'est-ce pas? Donc, nous venons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Alléluia. Nous attendons, mon petit temps, respectueux, et nous passons à notre liste. OK, donc, puisque tu es bon, tu es merveilleux. Fais ça pour moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et entre, entre quatre ou cinq, nous faisons, tu es merveilleux, tu es bon, juste pour continuer à l'amadouer au cas où au cas où il devait se dire, mais oh. oh, oh. Et, et ensuite, on termine et on finit aussi en lui disant, Ah Seigneur, je te remercie parce que tu es tellement merveilleux. Tu es vraiment le meilleur. Tu es vraiment ceci. Et on le flatte. Et on le flatte. Et on le flatte. Et on le flatte. Et on termine content parce que nous avons prié. N'est-ce pas? Et certains se reconnaissent ici. Certains disent, Je ne peux même pas du tout. Alors, mais David dit à Dieu, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. En d'autres termes, il y a un cri à l'intérieur de moi pour être proche de toi, pour te connaître. Tu es le désir de mon cœur. Je prie que nos sens spirituels soient éveillés ce matin. Amen. Que nous commencions réellement à le désirer. À vouloir le vouloir. Alléluia. Mais moi, je ne veux, je veux pas vraiment Dieu. Mais au moins, tu peux vouloir le vouloir. Regardez, dans la suite de ce passage, il nous a dit ceci. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Donc quand je te contemple et je médite sur toi, je serai rassasié. Alléluia. Je serai rassasié. Il y a une invitation et il y a une promesse. Il y a une garantie de résultat. Que lorsqu'un être humain commence à désirer Dieu, à avoir soif de lui, il reçoit la révélation que Dieu est son Père et il commence à le côtoyer. Et il commence à passer du temps avec lui, à communier avec lui, pas pour pouvoir lui demander beaucoup de choses pour sa vie matérielle. Et il faut demander des choses pour votre vie matérielle. Mais la prière n'est pas centrée sur mes besoins, mais sur le cœur du Père. Et, et donc, nous avons cette invitation, cette promesse, cette garantie de résultat que lorsque vous avez soif de Dieu et vous commencez à, à, à le côtoyer, à, à l'adorer, il y a, vous serez rassasié. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit :« Celui qui me cherche, me trouve. Celui qui me cherche. » Me trouve. Quand les gens me disent oui, mais moi je veux croire, mais je n'arrive pas, je dis c'est faux. Parce que Dieu dit que celui qui me cherche me trouve. Tous les gens qui ne croient pas ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Le jour où ils ont envie de connaître la vérité et ils commencent à le chercher, ils vont le trouver. Alléluia. Je serai rassasié. Comme ça, ça doit parler à bien. Par une nourriture succulente et abondante. Ouais. Ouais. Et Fredley, apparemment. <rire> <rire> C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Euh, je serai rassasié, comme par une nourriture succulente et abondante. Je le redis pour tous ceux qui aiment manger. Au moins, ça c'est une image de la parole de Dieu qui vous parle, n'est-ce pas Je serai rassasié, comme par une nourriture succulente et abondante. Non, nous avons ici une une explication de la qualité de la communion que nous allons avoir avec Dieu et de l'impact de cette communion sur nous que notre âme sera remplie. Une satisfaction divine, une satisfaction surnaturelle va s'installer et non pas pour un petit temps, mais parce que c'est une nourriture abondante, c'est une satisfaction divine qui est durable. Alléluia. Dieu ne se laisse pas trouver aujourd'hui et disparaît demain. Il n'est pas caractériel. Venez à moi, et quand nous venons à lui, celui qui le cherche le trouve. Nous serons rassasiés, comme par une nourriture succulente. Amen. Hallelujah! Amen. Succulente. Je sais que certains sont déjà en train de dire, mmh. Chacun est en train de penser à son plat favori. <laughs> Mais c'est pour cela que nous avons ces images dans la parole de Dieu, parce que Dieu sait que nous sommes des êtres humains et qu'il faut qu'il fassent appel aux choses qui ont, qui sont, qui sont terre à terre pour nous. C'est pour ça que Jésus a raconté tout, tellement d'histoires aux gens, parce qu'il savait qu'il fallait faire, il fallait établir une connexion entre cette réalité surnaturelle, spirituelle, invisible et non palpable. Il fallait établir une connexion avec des choses de la terre et palpables. Mais, mais attendez, vous allez manger tout à l'heure. <laughs> ne, ne déconnectez pas en pensant à votre repas. Mais une nourriture succulente, donc la qualité, l'intensité de la communion et, 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 le, et du bien que ça fait à l'être humain d'être en communion avec Dieu, est abondante parce que ce n'est pas avec parcimonie que Dieu donne. Vous me suivez Votre vie en tant qu'enfant de Dieu ne dépend que de la profondeur de votre intimité avec Dieu, pas des circonstances extérieures. Nous, nous nous assujettissons aux choses terrestres parce que nous nous sommes éloignés du Dieu surnaturel qui domine sur toutes choses. Et, et parce que nous imposons à Dieu de changer nos circonstances naturelles avant d'accepter ces grâces surnaturelles. Je vous avais dit comment une fois, j'ai acquis de l'intelligence depuis. Ah, il y avait une situation assez compliquée. J'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, veux que tu interviennes. Je te demande d'intervenir. Et j'ai fait toutes les prières que je connaissais. Les versets puissants sur l'intervention de Dieu. Vous savez comment on fait pour manipuler Dieu avec des passages bibliques. Et, et j'ai aussi prié en langue. Vous savez, vous voulez un résultat, prier en langue. Et j'ai fait ça. J'ai même peut-être jeûné, je ne me souviens pas, mais j'ai utilisé tout ce que j'avais. Et, et la situation ne changeait pas. En revanche, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'étais en train de prier, la joie de Dieu m'inondait. J'étais inondée d'une joie surnaturelle, mais surnaturelle. Et, et à un moment donné, j'étais vexée. J'ai dit, je n'étais pas demandé la joie. Je demandais de régler cette situation. Et, et le Saint-Esprit, dans sa bonté, m'a montré ma bêtise. Parce que, en réalité, Prenez ce qu'il vous donne. Parce que vous ne pouvez pas l'obliger à vous donner quoi que ce soit. Vous pouvez être là sans joie, sans solution, sans rien. Mais quand Dieu, dans sa bonté, vous inonde de sa joie, il est en train de vous dire, je suis là. Don't worry. Be happy. Je suis là. C'est une confirmation de sa présence, une confirmation de son engagement. Donc, il ne va pas faire les choses quand je veux, comme je veux, mais il le fera certainement. En d'autres termes, ta vie n'est pas finie à cause de cette situation. We are together. Comme disent les francophones, on est ensemble. <laughs> Thank you, Lord. Et, et, et c'est ça la joie de la communion. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de joie. J'avais vu une phrase quelque part il y a des années de cela, ça m'avait interpellée. Et il dit aussi, le chrétien est un homme de joie. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Le chrétien est un homme de joie. Mais est-ce que vous savez que la joie du Saint-Esprit, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Un des, un des, une des conséquences du salut, c'est la joie. Non pas le, le bonheur parce qu'un thème m'a fait ça, m'a donné ça, mais une joie surnaturelle qui est à l'intérieur. Et ne méprisez pas les choses surnaturelles parce que vous voulez un changement dans le monde naturel. Vous suivez Depuis, j'ai acquis la sagesse. Donc, la première chose à chaque fois que je vérifie, c'est est-ce que Dieu est là Je sais qu'il est là. Mais dès qu'il se manifeste dans la communion, tout va bien. Ça aussi, on va le résoudre. Vous allez être confronté à beaucoup de choses dans la vie, mais une chose qui ne doit jamais manquer dans votre vie, c'est la communion du Saint-Esprit. Regardez, je vais vous lire le, la suite de ce passage. Je serai rassasié, donc, comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi, sur mon lit, vous voyez comment on entretient cette communion avec Dieu? On pense à lui. J'attends, on pense à lui. On pense à lui. Une des, une des difficultés dans notre génération, c'est que Dieu ne fait plus l'objet de nos réflexions. Nos désirs, nos besoins, nos ambitions font l'objet de nos réflexions, mais pas la personne de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Lorsque je penserai à toi sur mes lèvres, sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, vous voyez ce qui, ce qui vient. Il, il décide de méditer sur Dieu et, et par conséquent, la joie de Dieu l'envahit. La joie de Dieu l'envahit. La joie de Dieu l'envahit. Je vous dis toujours que Dieu est le personnage principal l'histoire, il est le centre de l'histoire, il est l'architecte de l'histoire et il est la fin de l'histoire. Quand vous réfléchissez au sens de l'existence, vous venez, vous arrivez vite à vous à comprendre que tout est futilité. Si Dieu n'est pas dans l'équation, les gens vivent, les gens naissent, ils vivent, ils meurent, ils disparaissent de temps en temps. Je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je dis oh mon Dieu, il a vieilli. Oh mon Dieu, il a vieilli. Quand vous êtes jeune, vous ne voyez pas cela, mais quand vous arrivez à un certain âge, il y a des gens, la dernière fois que vous les avez vus, ils étaient dans la fleur de l'âge, ils étaient remplis de promesses, de feu, ils étaient sûrs qu'ils allaient changer le monde. Et vous les voyez 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et vous dites, my God, et parfois vous entendez, le temps a un peu changé, l'énergie n'est plus la même. Vous voyez comme une sorte de sobriété <laughs> qui les a gagnés. Et parfois, c'est le corps qui a été atteint, les cheveux qui ont été atteints. Et, et vous vous rendez compte que l'être humain n'est que peu de choses. Mais Dieu, d'éternité en éternité, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et donc il dit aussi, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Quelqu'un va commencer à crier de joie. Alléluia. Non pas parce qu'il a réussi ses examens seulement, non pas parce que sa nouvelle BMW est arrivée, non pas parce que Pierre a fini par lui demander en mariage après toutes ces années, mais parce que il connaît Dieu. Je médite sur toi l'éveil de la nuit, comme dit la version Louis II, et à cause de cela, je crie de joie. Wow. Et il dit ceci, écoutez attentivement, mon âme est attachée à toi. Quand vous savez que Dieu est votre Père, naturellement, votre âme devient attachée à lui. Et non seulement votre âme devient attachée à lui, mais plus vous communiez avec lui. Parce qu'il dit, je médite sur toi l'éveil de la nuit. Et la communion avec Dieu, c'est un choix que nous faisons. J'ai le choix de me réveiller le matin un peu plus tôt que d'habitude et de passer du temps avec lui. <laughs> Il y a des gens qui vont vous dire... Oui, mais euh, ce n'est pas évident, parce que j'essaye, je, hein. je, 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 je sais, je sais, mais franchement, c'est, oh non, moi, j'aime le Seigneur, vraiment, vraiment. Mais bon, c'est vrai que ça fait un ça fait, ça fait mois que je n'ai pas vraiment prié, et je les regarde. Mais comme je sais toujours comment sourire, je... mm -hmm, mm -hmm. et à l'intérieur, c'est, oh my God <laughs> Oui, mais vous comprenez, c'est la vie. Et je dis, non, je ne comprends pas du tout. En tout honnêteté, je ne comprends absolument pas du tout. Il dit Je médite sur toi, l'éveil de la nuit, et je suis rempli de joie. Beaucoup de fois, nous allons demander que l'on prie pour nous parce que nous voulons avoir la joie, nous voulons avoir la paix. Je vous mets au défi. De poursuivre l'intimité avec Dieu. La joie va vous poursuivre. La paix va vous poursuivre. Le repos va vous poursuivre. Alléluia. Vous ne pouvez pas méditer sur Dieu l'éveil de la nuit et ensuite être poursuivi dans les cauchemars l'éveil les de la nuit. Les deux sont incompatibles. Si Dieu habite vos pensées, Satan ne peut pas habiter vos pensées. Amen. Quelqu'un train dire mais parle de moi. Oui, je parle de toi. Sois en sûr, sois en sûr. Je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours. Je crie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient. Tout ce que nous cherchons, écoutez attentivement, se trouve en Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve en Dieu. Tout, se trouve en, Dieu. Tout se trouve en lui. Sinon, il ne serait pas Dieu. Et le fait qu'il nous donne accès à lui, qu'il nous révèle le fait qu'il est notre Père, et nous invite dans la communion. Dans une relation d'amour, dans l'intimité, non seulement cela provoque un désir d'intimité, mais plus vous passez du temps avec lui, plus vous voulez passer du temps avec lui, plus vous passez du temps avec lui, plus vous l'aimez. il y a des choses qui sont déversées à l'intérieur, à l'intérieur de vous, parce que nous avons une vie intérieure, pas juste extérieure. Nous, nous nous occupons de cette vie extérieure. Et, et nous, nous appliquons le, toutes sortes de, est-ce que vous avez déjà vu des vidéos de Maquillage sur YouTube. My God, c'est terrifiant. Quand nous on était jeunes, c'était quelques éléments. Maintenant, c'est devenu carrément un masque. Vous voyez les filles avant et après, c'est comme si c'est une transformation radicale. Bien aimé, spirituellement, c'est une transformation radicale. Quand vous passez du temps avec lui, vous devenez méconnaissable. Oh, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous avant la fin. Ça m'a fait penser à, à la soeur de Evan Roberts, mais je vais en parler dans quelques instants. Nous sommes donc invités. Je ne sais pas si vous allez répondre à cette invitation, à, à côtoyer notre Père, à devenir des habitués de sa présence, à, à faire en sorte que même les anges seront étonnés si vous deviez vous lever et sortir de votre maison sans sans, sans prier. Les anges Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je prie que ce soit votre cas. Amen. Que si vous deviez passer une journée sans prier, il y aurait l'alerte. Il se passe quelque chose. Le monde spirituel serait en ébullition. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. God is a good God. God is a good God. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Et cela vient par la pratique de la communion quotidienne. La présence de Dieu, donc, dans notre vie, l'intimité avec Dieu. Ce lieu d'intimité se produit beaucoup de choses. Dieu se révèle. Dieu devient plus concret, plus réel pour nous. L'amour de Dieu envahit nos cœurs. Vous ne pouvez pas vivre dans l'intimité avec Dieu sans être complètement gagné par sa personne. J'aime toujours ce chant qui dit « et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en Si tu veux le louer, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, si le louer lâche les pensées. les pensées. Si tu veux le louer, aime ton âme la celle aussi de ton voisin. Hey. Si tu veux louer celle devant, le vent que tu récolteras demain. Pas, pas besoin diplôme. diplôme, pas, pas besoin latin. Monde. Juste aimer son nom oh. ah, et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi, pas besoin. Pas besoin diplôme, pas besoin latin. Juste aimer son nom, hey! Et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi. Je vous, je vous dis toujours ceci. Si les gens ne vous ont pas dit que vous exagérez avec votre foi, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Amen. Même dans l'église. Parce que Dieu est objectivement extraordinaire. Et vous ne pouvez pas le contempler sans être changé, sans être transformé, sans devenir quelqu'un d'autre. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur. He is real! Donc, on va détonner. C'est normal. Amen. Dites, c'est normal. C'est normal. C'est normal. normal. Amen. On va détonner. Alléluia. Et, et, et dans chaque génération, il y a toujours des hommes et des femmes qui détonnent. Amen. Il faut juste assumer. Yes. On assume notre différence. Amen. Amen. Yes. Nous avons cette passion. Quand on connaît Dieu comme Père, on a une passion pour sa présence dans nos vies. Mais on a aussi une passion pour sa présence dans la nation. Yeah. On a une passion pour sa présence dans la communauté. Yeah. On a une passion pour sa présence dans l'Église. Yeah. Que nous ne sommes pas juste quelques individus qui ont vaguement fait une profession de foi et qui se retrouvent le dimanche matin pour chanter quelques chants. Parce qu'ils aiment Dieu, mais oh, que c'est pénible. Et qui écoutent un message, parce que bon, il faut bien écouter la parole, mais oh, que c'est long. Ouf, heureusement qu'après, il y a quelque chose à manger, comme a dit un certain jeune homme, quand il est arrivé à base, il est venu surtout pour la nourriture. Non, au moins, à la fin, il y a que des choses à manger, on peut discuter avec les gens. Non. Cette vie de Dieu est une réalité. Cette vie de Dieu nous impacte à l'intérieur. Cette vie de Dieu crée en nous de nouveaux appétits, de nouveaux désirs. Et nous allons parler de nouveaux appétits la semaine prochaine. Alléluia. Une passion pour la sainteté. De nouveaux appétits, de nouveaux désirs. Et surtout un désir de voir Dieu se manifester. Un désir de voir les gens nous le connaître. Alléluia. Et y un jeune homme qui s'appelait Evan Roberts. Certains ont entendu parler du réveil du pays de Galles. Le réveil du pays de Galles s'est produit au début du XXe siècle. Alléluia. Au début du XXe siècle, il y a eu un réveil extraordinaire au pays de Galles parce que des gens avait soif de Dieu. On peut, comme David disait, mon âme a soif de toi. Cette foi que nous avons n'est pas une foi purement cérébrale, c'est une affaire du cœur. Il y a une connexion avec Dieu. Et à un moment donné, lorsque vous avancez dans la connaissance de Dieu et le Saint-Esprit vous fait la grâce de vous toucher à l'intérieur, vous désirez non seulement sa présence en vous, dans votre vie, mais sa présence dans l'Église, sa présence dans la communauté, sa présence dans votre quartier, sa présence dans la nation. Et à cette période, les gens avaient besoin, avaient un désir pour la présence de Dieu. C'était un pays assez religieux qui avait été converti au christianisme des siècles auparavant. Et, et, euh, et je crois bien que c'est au sixième siècle que la Bible a été traduite. Au sixième siècle? Ah, c'est peut-être un peu tôt. Je vais vérifier. Traduit euh, en gaélique. Gaélique en français, comment, comment est-ce qu'on dit gaélique en français? Gaélique. Gaélique, ok. On va laisser les <laughs> francophones se battre sur la question. Moi, je continue mon message. Thank you, Jesus. Kata. Et, et, et donc, il y a eu une. Um, au fil des siècles, il y a eu, à part, surtout au, au 17e, 18e siècle, il y a eu des réveils qui ont fait en sorte que la foi chrétienne a gagné euh, tout le pays de Galles du Nord au Sud. Et, et les gens, même à cette période, au début du 20e siècle, les églises étaient plus ou moins remplies. Mais il y avait une tiédeur, une froideur. Tout était juste. Vous savez ce que je viens de vous décrire. Bon, on vient parce qu'on aime Dieu, mais bon, quel ennui, et, et ainsi de suite. Et, et c'était un peu cela, mais ici et là, il y avait des gens qui venaient à une foi réelle en Jésus et qui commençaient à soupirer, à désirer la présence de Dieu. À désirer la présence de Dieu. Et un jeune homme, Evan Roberts, il s'est converti à l'âge de, de, de 13 ans. Et à 12 ans, il a dû quitter l'école parce que sa famille était pauvre. Il est allé travailler dans les mines. Et quand il s'est converti... Il, pendant qu'il travaillait, il priait. Pendant qu'il travaillait, il méditait sur les versets de la Bible. Dès qu'il avait une pause, il prenait sa Bible et lisait. Quand il rentrait à la maison, parfois il passait la nuit à lire la Bible. Et il avait un cri dans son cœur. Il voulait que son pays soit puissamment impacté par l'évangile et par le Saint-Esprit. À partir de l'âge de 13 ans, écoutez attentivement, 13 ans, il a commencé à prier pour le réveil. Il priait, il implorait Dieu. Et un jour, il a reçu l'appel au ministère, il a compris que Dieu voulait qu'il devienne, qu'il le serve à plein temps. Il s'est inscrit dans une école biblique. Des réunions avaient été commencées dans, au début de cette année 1904 et beaucoup de choses se passaient ici et là parce que beaucoup de gens criaient à Dieu pour le réveil. Et il y a un homme qui s'appelait Seth Joshua, un serviteur de Dieu, qui priait pour que Dieu utilise quelqu'un, qui choisisse quelqu'un, qui l'utilise pour amener le réveil parmi les jeunes. Et il demandait que Dieu n'utilise pas un des grands intellectuels des grandes églises, des grands théologiens pour que l'homme ne tombe pas dans l'orgueil, mais qu'il prenne un homme ordinaire. Il est allé faire toute une série de réunions où il y avait une action puissante du Saint-Esprit. Les gens étaient impactés par la présence de Dieu. Et les jeunes de l'école... De, de Evan Roberts avait demandé de pouvoir aller assister à ces réunions. Ils sont allés assister à ces réunions et la vie de Evan Roberts a changé pour toujours. Il a, il a été touché puissamment par le Saint-Esprit et il a commencé à prier. c'est Joseph, dans sa, dans sa prière, a prié toute une série de choses et vers la fin, il priait Plie-nous, Seigneur. bend us Lord. bend us Que nous soyons pliés devant toi. Mais cette, ce petit bout de phrase a impacté Evan Roberts. Il est, il est reparti et n'a prié que ça Bend me, Lord, Bend me, Lord. Parfois, lorsque nous prions pour que Dieu agisse, qu'il touche les gens, qui touche notre génération, nous pensons que le problème est de son côté. Le problème n'est pas de son côté. C'est, il trouve des hommes et des femmes qui vont s'aligner sur lui. Et qui vont se laisser empâter, toucher et changer pour qu'ils puissent les utiliser pour empâter, toucher et changer une génération. Quand on n'est pas proche de Dieu, on pense que venir à l'église, recevoir une bénédiction, une prière, vivre sa vie, recevoir la promotion sociale, c'est tout ce qu'il y a dans la vie chrétienne. Non, il y a une intensité de désir, il y a une profondeur de communion, il y a la communication de la grâce de Dieu à une génération. Et Evan Roberts l'avait compris. Dès qu'il a, il a continué à prier. Et au bout d'un moment, Dieu a commencé à lui montrer des visions. Ce n'était pas un mouvement charismatique, non, non, pas du tout. Mais il a commencé à voir. Et il s'est vu en train d'annoncer l'évangile à des jeunes dans sa ville natale. Il a demandé à son principal si ses visions venaient de Dieu ou du diable. Et son principal lui a dit le diable ne va pas te donner des visions pour faire de bonnes choses. Mmh. Donc il lui a donné une semaine de congé pour qu'il puisse retourner dans sa ville natale et annoncer l'évangile aux jeunes. Il est retourné dans sa ville natale, il a parlé avec son pasteur. Son pasteur qui était un homme prudent. Lui a dit OK mais viens à la de prière. À la fin de la de prière, il a dit ceci. Il a dit Evan a quelque chose à nous dire s'il y a des gens qui veulent rester. Beaucoup de gens sont partis. Manifestement, ils n'ont pas pensé qu'il avait quoi que ce soit d'intéressant à leur dire. Mais il est resté 17 personnes. Il a commencé à parler. Il a partagé quatre choses que Dieu lui avait mis sur le cœur. Ils ont été profondément touchés. La réunion suivante, ils ont changé le programme. Le pasteur lui a dit Evans va nous parler. Il a parlé, les gens étaient profondément touchés. Et ça a réunion après réunion pendant une semaine. Les gens ont commencé à être émus par la parole de Dieu. Les gens ont commencé à se convertir. Mm -hmm. C'est-à-dire les gens qui, vont, qui allaient à l'église parce que c'était la tradition, mais qui ne connaissaient pas réellement Jésus. Mm -hmm. On commençait à se convertir. Au bout de la deuxième semaine, le, le pays a été embrasé. Wow. Le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Les gens sont venus de partout. Les gens quittaient les mines, les hommes, les miniers, ils quittaient les mines et venaient directement dans les réunions. Parfois, ils faisaient des réunions. 6h, heures, 8 heures, ils n'étaient pas encore finis. Ils, ils n'avaient pas encore fini. Parfois, ils allaient jusqu'à 3h du matin. À House. 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin, tellement la présence de Dieu était intense. Et les gens qui étaient au devant de ce réveil étaient des jeunes. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes comme lui. Il avait une soeur de 16 ans qui était quelqu'un d'assez difficile à carrière. Elle s'est convertie, elle a été transformée. Des témoignages et les gens venaient de partout. Parfois la salle était tellement remplie qu'il commençait des réunions simultanées dans d'autres églises. Et à chaque fois, le Saint-Esprit se mouvait avec puissance. Les, 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 euh, les bars ont commencé à se fermer parce que les gens n'y allaient plus. La criminalité a chuté. Parce que les gens se convertissaient et ils arrêtaient de voler, ils arrêtaient d'attaquer les gens, ils arrêtaient de piller. Il y a encore des journaux de l'époque qui parlent de ce réveil. Et, et ça a commencé à se produire simultanément dans différentes parties du pays de Galles, dans le nord comme dans le sud. Parce qu'il y avait des individus qui avaient une passion pour la présence de Dieu dans la communauté. Et tous ces jeunes n'étaient pas des grands théologiens. C'était juste des gens qui avaient rencontré Dieu et qui ont été profondément impactés. Parfois, dans les réunions, Evan Roberts ne prêchait même pas. Il venait simplement, il nous disait prier, crier à Dieu, demander au Saint-Esprit de venir. Et le Saint-Esprit venait. Et les gens commençaient à pleurer pour leur péchés. Certains, dès qu'ils ont fini de pleurer, commençaient à se réjouir pour le salut. Mais c'était ordonné. Après, il a commencé à aller de lieu en lieu. Mais Dieu a utilisé tout le monde. Il y a un homme qui a donné un témoignage comment le, le réveil était venu dans son village. Il y avait un, 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 un instituteur qui a, avait appris que Evan Roberts était dans une ville voisine. Il y est allé, il a, il a été embrasé. Embrasé. La tièdeur n'est pas chrétienne. Dieu n'est pas quelqu'un que l'on peut contempler et rester tiède. Est-ce que vous me suivez? He sets you on fire. Il vous embase. Il a été embrasé. Il était tellement rempli de la présence de Dieu. Il est revenu dans sa ville. Il a pris le train que prenaient les miniers. Il est arrivé dans sa ville et il s'est agenouillé. Et il a commencé à chanter à Dieu. Il était complètement perdu dans la présence de Dieu. Et il la personne qui, qui donne ce témoignage disait que sa grand-mère venait et elle entendait des chants et elle a dit à à la personne qui s'occupait de l'église anglicane vous avez enfermé le pasteur dans l'église je l'entends chanter elle a dit mais je n'ai pas enfermé le pasteur dans l'église elle est allée vérifier n'y était pas ils se dit mais qui est-ce qui chante et ils ont vu que ils ont ils ont entendu vu d'où ça venait et ont reconnu le voix et ont commencé à y aller mais petit à petit les gens se demandaient mais il est devenu fou l'instituteur est devenu fou les hommes qui étaient dans les bars sont sortis avec leurs verres pour dire mais il est devenu fou ils ont commencé à l'entourer. D'autres qui étaient dans la salle de billard sont sortis avec leurs, leurs appareils. Mais il est devenu fou. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il était tellement perdu dans la présence de Dieu. Il n'a même pas remarqué leur présence. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a commencé à les toucher. Un par un, ils ont commencé à s'agenouiller. Un par un, l'un a déposé son verre, l'autre a déposé son appareil. Ils ont commencé à pleurer devant Dieu pour leur péché. Et, et, et ce témoin disait que le moment où, au moment où sa, sa grand-mère est arrivée jusque là où il était, il était déjà entouré d'une foule de personnes, tous à genoux devant Dieu. Dieu veut amener sa présence de nouveau. Et ils ont dit concernant ce réveil, j'ai noté un certain nombre de choses que les gens ont dit concernant ce réveil, et, et ils ont dit ceci, dans tout le pays, il y avait un sens extraordinaire de la présence de Dieu. Elle semblait être universelle et l'on ne pouvait y échapper. Non seulement dans les églises ou dans les réunions de prière, mais aussi dans la rue, dans les trains, dans les maisons, dans les tavernes, les gens étaient saisis par l'Esprit. Riches et pauvres, vieux et jeunes, tous ont été touchés par l'Esprit. Et il disait, ce qu'ils ressentait, c'était réellement cette présence merveilleuse de Dieu. 1558, la traduction de, de la Bible à, en langue galloise. Cette présence de Dieu qui a envahi tout le pays, partout, dans la rue, partout, dans les trains, partout. Les gens arrivaient dans les bars, ils voulaient boire, ils prenaient le verre, ils étaient envahis par la présence de Dieu. Ils déposaient leur verre, ils sortaient, ils s'agenouillaient. La raison pour laquelle nous avons tellement de mal à convaincre les gens de Jésus, c'est parce que la présence de Dieu ne nous habite pas suffisamment pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de plus. Dieu veut de nouveau manifester sa présence. Non seulement dans son Église, mais dans la communauté. Mais il faut des gens qui eux-mêmes connaissent sa présence pour le désirer plus pour eux-mêmes et pour le désirer pour l'Église et pour le désirer pour la nation. Nous voulons constamment dire aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais est-ce que nous pouvons devenir une habitation de Dieu pour leur présenter Dieu tel qu'il est? Père, nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Tout ceci est documenté. Dans les journaux de l'époque, ils ont documenté. Evan Roberts, il avait un tel cri, et il avait un cri pour l'évangélisation, il disait que, est-ce que, il, 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 il n'osait même pas croire, le pays de Galles est un petit pays, et il disait, est-ce que, est-ce que je peux demander à Dieu 100 000 âmes? Ça semblait impensable, inimaginable. C'est comme si vous demandiez, en France, 20 millions de personnes. Mais il a osé, il a demandé. Et en moins d'une année, cent mille personnes ont été touchées puissamment. Quand la présence de Dieu envahit une nation. Il faut que nous arrêtions jouer, de jouer à l'Église, que nous arrêtions de jouer aux chrétiens, que nous devenions de véritables chrétiens. Des hommes et des femmes qui connaissent le Dieu, qui dit servi, qui l'aiment profondément et qui le côtoient à chaque jour. Et qui sont en mesure de communiquer sa présence. À d'autres personnes, cessant d'être des clients de Dieu, des consommateurs de choses divines, devenant des habitations de Dieu. Il est accessible, il est disponible. Je prie que comme il a trouvé Evan Roberts dans sa génération, il va trouver des jeunes aussi dans cette génération. Amen. Hommes et femmes. Partout où il allait, Evan Roberts, il était accompagné de jeunes de son âge, parfois des filles de 16 ans. Parfois des filles de 16 ans, parfois des filles de 16 ans et des filles de 15 ans, consumées par Dieu consumé par Dieu. Et il nous disait que Evan Robust ne priait pas contre l'immoralité, il ne prêchait pas contre l'immoralité, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il ne prêchait pas contre l'immoralité, il ne prêchait pas contre les péchés de son siècle, l'ivronnerie, etc., mais que quand les gens étaient remplis de la présence de Dieu, d'eux-mêmes, ils arrêtaient leurs péchés. Ils voyaient une incompatibilité entre ce Dieu qu'ils ont rencontré et toutes ces actions. Et de même, ils décidaient, non, ça ce n'est plus pour moi. Je, je n'ai plus d'appétit pour ces choses. Je vais vous inviter à vous lever ce matin et nous allons prier.